veux. J'ai vraiment un chat bizarre, moi. Ah oui, au fait, petit changement, j'ai mis une couette blanche, je trouve ça beaucoup plus joli, je sais pas, je trouve ça beaucoup plus épuré. Je suis assez contente. Ce miroir, c'est vraiment toute ma vie. J'aime trop. J'ai grave envie de m'acheter des bottes hautes, je trouve ça hyper stylé. Coucou tout le monde, c'est Coco Liner, back sur YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog, ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Donc première chose, comme vous pouvez le voir, j'ai changé un petit peu de tête. Voilà, on va pas se mentir. Donc j'ai fait une frange, c'est pas une vraie vraie frange, elle est un peu légère et voilà, je peux la mettre sur le côté un peu quand je veux. Mais voilà, je suis assez contente, je voulais du changement. Après, on n'aime pas. Moi personnellement, je kiffe. Donc voilà, j'ai un petit programme assez sympa ce week-end, c'est pour ça que je voulais vous emmener avec moi. Donc je vous dévoile pas tout, vous verrez ça au fur et à mesure de la vidéo et peut-être un petit peu dans le titre aussi. En fait, j'ai pas trop compris le principe de vlog, moi je me filme assise. Du coup là, je viens de rentrer de la fac, j'ai eu quelques heures de cours ce matin, je vous mets un petit extrait maintenant. Et du coup là je viens de rentrer et je vais me poser un peu et premièrement je vais surtout aller me changer parce que là c'est vraiment la période horrible où genre le matin il fait 5 degrés et l'après-midi il fait 30. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Et voilà, je suis changée, j'étais vraiment en train de mourir, genre je comprends pas pourquoi il fait aussi chaud, mais bon on va pas se plaindre. Bon du coup j'ai gardé mon petit bandana dans les cheveux, du coup j'ai mis un petit haut jaune comme ça avec les épaules à l'air parce que comme ça genre je revis. Au fait j'ai acheté cette petite ceinture sur Asos il y a pas longtemps et franchement elle est hyper belle, je m'en sépare jamais, genre je trouve elle va avec tout et elle habille grave une tenue, donc franchement valide. Du coup là j'ai fini de me préparer et normalement après je crois que je vais aller voir des potes. Du coup je vais essayer de vous emmener un peu avec moi dans ma vie quotidienne. Je trouve que ça change un peu de ce que je fais. Je vous montre pas tellement au final ce que je fais sincèrement dans mes journées de base, donc avec mes potes et tout. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa. Et surtout dimanche je vais tester un truc que j'ai jamais testé, donc j'ai juste trop hâte de vous emmener. On va kiffer. Pourquoi tu miaules? Pourquoi tu passes ta vie dans le lavabo, Coco? Pourquoi? Tu veux me faire bio? Bon voilà, je suis prête. Mais non! Pourquoi tu pars? Le skin, je l'ai appelé, il s'est barré. Passion montage. Bon, il est actuellement 20h58. Et quoi de mieux pour finir cette journée que de manger des sushis? Mais avant ça, on va se mettre dans une tenue un peu plus confortable. On est mieux. Pour une nouvelle journée, donc déjà le programme ça va être d'aller faire du shopping, voilà j'ai extrêmement envie, ça fait assez longtemps que je suis pas allée faire les magasins clairement, et ensuite du coup on va aller au laser game, ouloulou. Non en vrai franchement le laser game c'est la base les gars, vraiment, c'est grave bien, en plus généralement il y a que des gamins donc on les tous. Je viens de voir que j'ai genre tout abîmé ma Danielle Wellington, je suis vraiment au bout de ma vie, ça fait genre 2 ans que je l'ai, elle était nickel, je suis au bout de ma vie. Et au fait pour ceux qui le sauraient pas, je me suis fait percer il y a pas très longtemps un deuxième trou aux oreilles, donc je suis hyper contente parce que je le voulais depuis grave longtemps, donc je l'ai fait genre cet été. Et je trouve ça plutôt joli. Et j'avais vraiment grave peur genre que ça cicatrise pas bien et tout. Et en fait ça s'est vachement bien passé. Du coup maintenant je suis passée à 2 petits anneaux et je trouve ça genre grave mignon. Le petit problème maintenant du coup c'est que par contre j'ai vraiment plus envie de m'arrêter. Genre j'ai grave envie de me faire des petits piercings et tout. Genre je trouve ça hyper beau sur l'oreille. Du coup là je suis encore en hésitation, je vais voir. Que se passe-t-il? Ok, qui s'excite, qui s'excite? Allô? Ah merci, merci. Chaud, franchement comment c'est? Mais c'est hyper grand. Bah c'est grand mais après toi t'es grande donc ça va en vrai hein. En vrai ça va, c'est joli hein. Mais ouais mais... j'aime bien. Bon là on est censé aller au laser game. On attend hein. On est grave en retard. Du coup on court. Parce que vraiment là le shopping ça a duré trop longtemps. Putain, on a pas géré là. On a eu un problème d'antivol. J'avoue vraiment là le sac ça fait pas crédible. C'est vraiment genre on était en train de faire du shopping, désolé.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Justine n'a pas compris le concept d'être un peu discrète. Meuf, tu brilles. Oh, les dents. On a gagné. Ça c'est la vie. On a parlé vraiment dans un vlog. Ça te dérange ou pas Loulou? T'as envie d'être sur YouTube? On accepte hein. T'inquiète pas, je te passerai ton chèque. Aujourd'hui du coup on est dimanche et c'est enfin le jour que j'attends depuis le début du week-end puisque c'est un truc assez particulier qui va m'arriver. Donc je vais tester pour la première fois un bar à chat. Donc je suis vraiment trop contente, genre vraiment moi les animaux c'est toute ma vie. Du coup genre j'ai vraiment trop hâte d'y aller. Donc là on va aller normalement je crois que c'est pour midi à peu près à un brunch. Et en fait le concept du coup bah, c'est qu'il y aura plein de chats partout. Donc c'est une sorte de restaurant plutôt salon thé je crois. Et donc voilà j'ai vraiment trop hâte de voir ça. J'espère juste que les chats genre sont heureux. En gros ma seule peur c'est juste que ce soit des chats genre qui sont un peu vénères, qui grave des gens et qu'en gros ça soit pas vraiment leur kiff, qu'il y ait vraiment les gens autour, ce que je peux comprendre. Mais bon j'espère que ça va être cool, j'ai vu des petites vidéos, j'ai vu des trucs, à ce qui paraît je pense que les chats sont assez attachants et ils ont l'air de kiffer être là, donc tant mieux. Donc voilà je suis vraiment trop contente et je vais essayer de vous emmener avec moi et de vous filmer un maximum de trucs, en tout cas j'ai vraiment trop hâte. Du coup pour ce qui est de la tenue je vous montre tout de suite. J'ai testé un petit truc sur les oreilles mais en fait je sais pas, je voulais faire un petit dégradé de créole mais elle était un peu grosse, bon je vais tenter un truc. Bref du coup là on va y aller et j'ai vraiment trop hâte, j'y vais avec ma maman du coup. A tout à l'heure mon bébé. Oui je m'apprête à te trahir là hein, franchement. Je vais te tromper. T'inquiète pas, je suis sûre moins beau que toi. Elle s'appelle Jeanne. Elle a le même prénom que moi. Oui. Coco, on t'a trompé, bah on est allé au bar à chats avec plein d'autres chats. T'as eu de la concurrence mon bébé. En plus ils étaient très sociables les chats, c'est vraiment pas un boulot pour toi hein. T'aurais pas été embauché hein. Tu passes ta vie à bouffer. En fait là c'est son spot, il y a son eau et son herbe, c'est genre sa drogue. Et si tu lui prends, mais il te regarde trop mal. Bah, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh bébé, non t'inquiète, je te fais pas ça. T'inquiète pas, mange ton herbe, je t'aime. Ok du coup je viens de rentrer et je voulais quand même vous parler du coup de cette petite expérience voilà qui peut paraître pas grand chose pour certains mais moi j'ai trouvé ça
hyper cool. Du coup je voulais quand même vous en parler deux minutes. Donc voilà, du coup c'était vraiment super. Ma grosse peur c'était qu'en fait les chats soient clairement vénères et genre un peu saoulés qu'il y ait grave du monde et tout. Et en fait bah j'étais grave contente parce qu'ils étaient genre hyper câlins et tout. Genre ils allaient vraiment vers les gens, sur leurs genoux, sur leur table et tout. Et sinon les autres bah ils faisaient leur vie, dormaient et tout, genre sur des petits canapés. Donc franchement c'était vraiment grave cool parce que genre ça m'a fait plaisir de voir qu'au final ils étaient vachement bien et ils vivaient leur petite vie genre tranquille. Donc voilà, en plus j'étais contente de pouvoir filmer, c'était vraiment hyper sympa, je vous le conseille du coup. Donc c'est le Gentle Cat. Franchement hyper bonne bouffe. Et voilà les chats bah trop bien. Et en plus de ça les chats sont vraiment chouchoutés, ils ont une pièce rien que pour eux parce qu'en fait ils vivent dans le bar quand c'est fermé aussi. Et franchement c'est hyper sympa. Mais surtout du coup le bar reverse 10% de ses bénéfices à une association pour la protection animale. Donc ça c'est vraiment super. Moi je sais que dans ma vie je vais forcément soutenir des associations comme ça, voire en faire partie, puisque c'est vraiment un projet hyper important pour moi et vraiment une cause que je défends à fond. En plus du coup tous les chats, donc c'était des filles, elles avaient un nom et du coup c'était répertorié dans un petit livre avec ce qu'elles aimaient, où elles étaient souvent. C'était vraiment genre hyper bien fait. Donc voilà, c'était vraiment une belle expérience et j'ai kiffé de ouf. En plus de ça c'est un endroit vraiment hyper calme. C'est interdit au moins de 12 ans du coup, c'est justement parce que les animaux c'est vraiment pas des jeux, donc c'est pour éviter de les embêter. Mais du coup vraiment c'est un espace hyper calme, posé. Donc vraiment ma mère et moi on a vraiment kiffé. Je pense qu'on y retournera bientôt parce que vraiment c'était trop bien. En plus de ça il y avait une chatte qui s'appelait Jeanne. Donc clairement toute ma vie c'était ma préférée, on va pas se mentir. Donc si vous voulez y aller, voilà, c'est vers Perrache. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos et franchement c'était génial, donc j'ai kiffé. Pour la petite explication, on a vu qu'au bar à chat les chats ils avaient genre des petits colliers genre trop mignons en tissu. Genre en plus ils avaient l'air de s'en foutre, ça avait pas l'air de les déranger spécialement et on trouvait ça vraiment trop chou. Je pense que c'était pour bien les reconnaître, au cas où s'ils s'enfuyaient aussi, puis genre juste pour faire joli. Du coup on a craqué, on en a acheté un pour Coco, un bleu. On s'est dit avec notre chance, vu que notre chat est chelou, il va pas kiffer du tout. Et en fait il a l'air de kiffer. Donc je m'étais dit si ça le saoule on l'enlèvera parce que clairement c'est pas un jouet quoi, on va pas lui laisser un collier s'il aime pas. Mais en fait il a l'air de s'en foutre et c'est trop mimi. Hello, donc je reviens juste pour vous parler d'un petit truc qui va durer 2 minutes. Donc en fait j'ai collaboré récemment avec une marque de bijoux donc sur internet, donc elle s'appelle Who We Are. Donc c'est des bijoux qui sont made in France, donc ça c'est déjà super. Et c'est une marque voilà qui est toute jeune, qui vient de se créer. Et du coup voilà j'ai voulu leur donner un coup de main, donc j'ai accepté, surtout que les bijoux c'est ma passion, on va pas se mentir. En plus de ça, ils reversent 50 centimes sur chaque vente à des associations. Donc ça, franchement, c'est super bien. Donc voilà, ils m'ont proposé de choisir 3 produits et de vous les montrer. Donc c'est ce que je vais faire, surtout que je les ai kiffés, clairement. Donc premièrement, j'ai pris des petites boucles d'oreilles, donc en forme de croix. Donc c'est des toutes petites boucles d'oreilles très très légères et vraiment trop mignonnes. Faut savoir que tous les bijoux Who We Are donc, sont plaqués or ou argent. Donc ça déjà, c'est super. Parce que clairement, moi j'aime bien garder les bijoux sur moi, pouvoir me doucher avec et tout, sans que ça les abîme. Et puis je me dis de plus en plus que c'est sympa du coup d'acheter des vrais bijoux qui peuvent peut-être avoir un prix un peu plus élevé, mais qui du coup ont une qui va avec. Donc clairement voilà, moi je préfère en tout cas. C'est que des bijoux comme ça sur leur site, du coup c'est vrai que le prix ça va avec, mais en même temps ils sont vraiment de bonne qualité et ils sont vraiment beaux. Genre franchement même après la collaboration je pense que je vais aller en racheter parce que vraiment j'ai trop kiffé. Et ensuite j'ai pris deux bagues parce qu'en ce moment les bagues vraiment c'est toute ma vie, je kiffe. Donc la première bague c'est une petite bague un peu avec des motifs comme ça que j'adore, genre un peu mosaïque et tout, je trouve ça hyper beau genre pour l'été et tout, je kiffe. Et la deuxième c'est ma préférée, c'est une petite bague toute légère avec une petite médaille en fait accrochée dessus donc qui bouge avec, donc franchement ça j'en voulais trop une aussi. Donc voilà c'est vraiment des bijoux que je kiffe, voilà je peux pas dire autrement, c'est vraiment ce que j'adore, la qualité est là. En plus j'ai reçu les bijoux dans une petite boîte comme ça donc franchement trop mignonne. Et ils étaient également dans une petite pochette, enfin franchement c'est hyper safe. En plus j'ai reçu les bijoux je crois en 4 jours après qu'ils les aient envoyés, même pas, 3 jours. Donc voilà ils m'ont en plus envoyé tout le suivi de la commande et tout. Enfin franchement pour une marque qui débute ils ont vraiment tout compris. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir et de vous faire votre propre opinion. Mais en tout cas c'est super. Et sachez qu'il y a vraiment plein de tailles pour les bagues. En plus ils vous expliquent comment mesurer et tout. Donc franchement c'est hyper bien fait. Je vous mets un petit code promo juste ici qui vous permettra de gagner un petit peu d'argent en faisant vos achats. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de leur site pour que vous alliez voir. Et franchement je vous conseille d'aller voir, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment une marque super. Je voulais leur donner un coup de main et j'ai vraiment bien fait. Parce que voilà, une fois que j'ai reçu les bijoux, je suis totalement conquise, je kiffe. Sachez que je fais pas énormément de collaborations, mais quand j'en fais, c'est vraiment avec des marques qui me plaisent. En tout cas, là, les bijoux, c'est toute ma vie. Et je vous dis sincèrement ce que j'en pense, mais là, je peux pas vous dire autrement. Voilà, je veux dire, c'est vraiment des bijoux trop beaux, vous pouvez voir par vous-même. En plus, ils sont hyper brillants et tout, je kiffe. Je vous conseille d'aller voir ce site, c'est Who We Are. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ok.
Ok, du coup, pour terminer cette vidéo, je voulais quand même vous faire un mini haul du coup de ce que j'ai acheté à La Part-Dieu. Donc j'ai pas beaucoup d'articles à vous montrer, mais j'en ai eu pour assez cher parce qu'en fait c'est des grosses pièces. Du coup c'est plus dans la période automne parce que du coup j'ai acheté plutôt des manteaux, des vestes, des trucs un peu plus chauds. C'est sûr que c'est plus cher que des petites robes en été. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc le premier truc que j'ai acheté, c'est un pantalon que j'avais repéré depuis pas mal de temps sur internet, donc Bershka, mais je pensais pas qu'il était en fait en magasin. Du coup je vous avoue que quand je l'ai vu, j'étais un peu prise au dépourvu et j'ai craqué clairement. Donc c'est un pantalon un peu couleur beige, un peu taupe, et du coup la petite particularité c'est qu'en fait il a une petite chaîne là sur le côté, donc je trouvais ça assez stylé. Du coup il est un petit peu large et il est resserré aux chevilles. Voilà, c'est un peu le style que j'aime bien, ça fait vraiment son effet, donc voilà, je kiffe. Et il m'a coûté je crois 25 €. Du coup là je passe déjà aux vestes. Alors la première, gros coup de cœur. Coucou, tu veux sortir, bébé? Donc la première veste du coup c'est celle-ci, franchement j'ai craqué, en plus j'ai acheté genre un endroit je pensais vraiment pas la trouver. Donc je l'ai trouvée à New Yorker, c'est une rose veste comme ça, donc elle est rose, donc un joli rose, pas trop flashy, genre un peu rose pâle, presque violine, trop beau. Et du coup à l'intérieur elle est fourrée, mais genre oh mon dieu c'est trop doux, j'adore. Donc elle m'a coûté 34 € à peu près et franchement elle est super, elle est courte donc c'est ça que j'aime. Et franchement elle est vraiment stylée, hein. Moi je l'ai portée, tout le monde m'a dit qu'elle était grave belle et j'avoue je la kiffe de ouf. Et franchement elle est plutôt chaude donc je pense que ça va bien me servir. J'avais hésité avec une en matière un peu mouton, vous savez celles qui sont à la mode, qui sont en marron et aussi en blanche. Et puis finalement j'ai vu ça, je me suis dit c'est beaucoup plus original, donc go la prendre. Et franchement je kiffe. Du coup le troisième truc c'est un manteau, cette fois-ci un peu dans le même délire parce que vraiment des manteaux, des vestes, j'en ai pas énormément, des chauds. Donc celui-ci je l'ai acheté à Bershka aussi. Et en fait il est comme ça, donc là on voit clairement rien. C'est un grand manteau avec un petit col, je sais pas comment on appelle ça, sur le côté, donc c'est assez stylé. Donc il est beaucoup plus long que l'autre et il est en matière pareil, pilou, mais un peu moins doux. Vous savez, c'est celle un peu mouton justement dont je vous parlais tout à l'heure. Sauf que du coup cette fois il est long et il est noir. Et franchement hyper stylé, pareil, il y a une petite fermeture éclair avec un petit rond comme ça, donc en métal c'est joli. Bon je crois que je vais l'ouvrir à mon chat quand même. Donc je disais voilà, franchement je le kiffe et j'ai mis pour aller au bar à chat et franchement j'avais hyper chaud avec, genre vraiment pépite. Je pense qu'en hiver ça va changer un peu de ma doudoune jaune, même si je vais la remettre, j'aurai plusieurs choix comme ça. Et puis voilà, j'hésitais avec un manteau blazer en fait très long et je me suis dit que ça serait le plus original, donc voilà, je verrai plus tard pour le blazer. En tout cas je suis très contente de cet achat. Du coup c'est déjà fini pour les vêtements, je vous avais dit que c'était pas très long, de toute façon j'ai déjà assez dépensé mon fric comme ça. Mais du coup il me reste des petits accessoires que j'ai achetés à New Yorker aussi. Donc en premier lieu j'ai pris des petites créoles, voilà je trouve on en a jamais assez, donc les deux premières paires en fait je les ai utilisées aujourd'hui. Voilà j'essaie de faire un petit dégradé, je ne sais pas si c'est joli mais moi personnellement j'aime bien. Et franchement ça vaut grave le coup, donc c'était 5 €, en vrai je crois que je me suis un peu fait pigeonner parce qu'il y a grave des sites où tu peux les trouver à 1 ou 2 €, mais je me dis franchement ça passe pour 5 paires, sachant que les créoles vraiment j'en mets hyper souvent. Donc voilà, ça c'est un achat que je ne regrette pas. Et le deuxième truc du coup toujours de chez New Yorker, c'est des petites boucles d'oreilles encore une fois, comme j'ai un deuxième trou du coup comme je vous ai dit, je suis grave à fond dans les boucles d'oreilles, j'aime trop faire des petits assemblages. Du coup je me suis pris voilà un truc assez simple, c'est des petites perles, voilà, ça sert tout le temps en fait clairement, donc pareil c'est du plus petit au plus gros et je trouve ça hyper stylé de jouer un peu sur les dégradés comme j'ai essayé de faire là avec les créoles. Voilà c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis celle-là c'était encore moins cher, c'était 2 €, voilà 1,95 €. Donc franchement ça vaut grave le coup et je sais que je vais les utiliser tout le temps. Du coup voilà, c'est déjà fini pour ce petit haul. Je vous avais dit que c'était pas très long. Voilà, on voit qu'on rentre dans la période d'automne clairement. En plus là aujourd'hui il pleuvait donc c'était pas la folie. Mais bon en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu. Ça change un peu ce que je fais d'habitude, mais j'étais contente de vous montrer un peu mon quotidien et surtout de pouvoir vous emmener dans le bar à chat parce que c'était quand même l'événement principal dans ce vlog. Dites-moi tout ça en commentaire. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.